Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour une vidéo de Forge Magie, plutôt pour des stuffs d'Oppo qui vont être destinés à un steamer. Donc on avait déjà passé la bague Triton PM récemment, et là on va s'attaquer aux autres items. Donc on commence par une Torquistique qu'on va essayer de faire en Exorester, sans dos neutre, parce qu'on est pour un steamer, donc les dos neutres ne sont pas utiles. Pas de protection non plus, par contre on va être attentif aux 10 soins, et puis voilà, avoir un truc soigné sur le reste. Et là, donc j'étais en train de regarder un peu le live, les commentaires, et le PA est tombé, et j'étais en train de dire que c'est désagréable, parce que voilà, quand on est comme ça, on voit pas le PA en dessous, et je n'ai pas vu qu'il était tombé, c'est très désagréable de pas avoir toutes les lignes. On devrait pouvoir dézoomer un petit coup, ce serait quand même plus pratique. Bref, donc on a un puits PA, on a 72 de puits, et bah c'est parti, donc là j'essaie de repasser les récris. Bah je peux continuer, hein, concrètement. Ok, ça passe, en crit. Bah on n'est pas trop mal sur le G, hein, franchement. Je vais pouvoir mettre les deux poux. Je vais monter du coup à 25. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut rester en dessous de 10, enfin à 19 max. Hein. J'en vois plein quand ils FM ça, ils passent à 23 de poux, 24, mais ça sert à rien. Il faut rester à 19, comme ça vous allez chercher les 25 à chaque fois. Voilà, hop. Et vous avez du perf de poux. Donc 57 de puits. 57 de puits, ça nous fait 3 de puits en rab. Et avec les 3 de puits en rab, je vais essayer de passer la force. Si je peux la monter. Soit je passe la force, soit j'essaie de tenter un crit sur une rune qui pèse 3, auquel cas je peux gagner une tentarèse. Je vais plutôt aller chercher la force parce que là ça nous ferait vraiment un jet très propre et ce serait assez appréciable. Non. Moins 3. Donc on a. Ah. On a 54. Donc 9 tentes à rester. C'est parti. Si je trouve les runes. Faudrait que j'en rachète aussi. 9 tentes à rester sur un jet comme ça, c'est pas trop mal, hein, franchement. Allez-vous. Une déjà qui passe. Deux qui passent. Bon, 2% c'est déjà correct. On a le PA là-dessus, franchement. Et non! Encore une fois, le PA que j'avais pas vu, bon du coup j'ai recommencé à remonter les deux neutres pour taper du puits, en fait j'avais pas vu que j'avais plus PA, heureusement c'est passé en crit. Et on a aussi une Ravie qui est passée en crit, donc en fait on a juste un moins 6 ici, ce qui me fait 91 de puits là-dessus. Et on a un G là qui est franchement pas trop mal. On va pouvoir monter les deux poux, si on y arrive. Hop, allez, une fois, deux fois, ok ça passe, moins 30, bon ça prend beaucoup de puits, mais il n'y a pas de souci. C'est honnête, 61 de puits restant, on va juste faire une tenta sur une rune faux. Ok, moins 1, ça me laisse 10 tenta res, il faut que j'aille en racheter, c'est génial. Allez, on est parti. Je vais reprendre genre 200, 300 runes. Ah, il y a de la latence avec le live plus le record et tout, ça me dérange beaucoup. Je pense que je vais revoir les paramètres parce que là, ça me déplaît. Ça me déplie au plus haut point. Hop, allez. Réperter 300. Combien pour craft un item sculpteur? Bon, je lui répondrai après l'avoir fait le puits. Hop. Let's go. Bon, je répondrai à vos commentaires après aussi. Allez, ça va le faire. Allez, on a combien de pourcents sur 10 tentas là? 3%, ce serait bien au moins. On a déjà les 2%. 2% à nouveau. Est-ce qu'on a le PA? Pas de PA. Encore un puits PA ici, mais sur une Rasa. Donc bon, on a déjà plus que 70. On va pas aller très loin. Les stats sont pas très très belles sur le reste. On va quand même tenter de voir ce qu'on peut en faire. Un tel qui passe à moins 6. Et là j'ai les deux poux à 24, j'ai même pas eu le temps de rectifier ça, bon bah je vais forcer le passage à 25. Hein. Ok, le soin qui crit, ça m'est plutôt bien. Les raises. Ok, on a moins 12. On a moins 18.
Et bah là, c'est le Dooku qui va tout déterminer, hein. Clairement. Je vais tryhard le 25, mais de 24 à 25, c'est pas facile, hein. On va voir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est fini. 99 depuis là-dessus. La Levita, on va la laisser à 380, à 296. On va aller chercher la force à 40. Moins 6. Donc, par quoi je commence? Les récris, je devrais les monter à 20. Est-ce que j'y vais à la par écrit ou est-ce que juste la récris ça passe? En général, la récris à 20, ça va encore à peu près. Hein. Par contre, j'ai les deux poux à 20. Ah, ça m'embête ça. Bon, ouais, je vais commencer par les deux poux dans ce cas. Faut que je les monte à 22 à tout prix. Ça va, je préfère les passer à 22 qu'à 24. Hein. Ok, 22, on en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a moins 30 pour les deux poux ici. Ça aurait pu être pire. Maintenant, la récris à 20. Ok, effectivement, les récris passent encore assez bien. Hein. Là, on est good. Il nous reste 59 de puits. Est-ce que je vais chercher les 30 sagesse? Non, je vais rester comme ça pour l'instant. On va venir mettre la rune soin ici. Hop. Passe, moins 10. Les deux feux de terre. Bah, je pense qu'on va être un petit peu short quand même en puits. Ok, crit. Pas crit. Ok, moins 10. Moins 25 ici. Ça nous laisse 24, donc il faut à tout prix que la pote de poux elle passe, voir qu'elle crit, ce serait bien. Ok, bon, elle passe, moins 15. Donc on a en fait juste une tenta. Bon, c'est un peu décevant. Je peux même faire une tenta rune ça éventuellement. Allez, des fois qu'on a un crit, hein, pourquoi pas. Donc moins 3. On a une tenta rester. C'est pas dingue. Est-ce que ça passe? Ça passe pas. Qu'est-ce qu'on fait sur un jet comme ça? Bah, je vais vous le dire ce qu'on fait. On fait une tenta reste distance. Parce que si on peut avoir ça qui passe en crit, hein, c'est pas impossible. Oh là, c'est intéressant. Donc on était à 0, on a donc 51 moins 15. Vous voyez qu'il faut, il faut toujours tester jusqu'au bout. On a donc 36 depuis là, donc là on récupère 6 tentats restaires. Donc là c'était pas mal, j'ai bien géré mon FM. Vous voyez, il faut toujours partir du principe qu'il peut se passer un truc intéressant. Et donc là il faudra terminer par un double succès crit. Mais ça peut le faire. Hein. On a 1%. Est-ce qu'on a 2%? On a 2%. On va commencer par le PO. Il passe pas. 88 depuis là-dessus, donc let's go. Alors là, il va falloir un petit overvita. Pas très propre tout ça. Ok, moins 12. Je la sens pas trop celle-là. Pas pourquoi. Remarque. Après, ce qui est bien, c'est que il y a quand même souvent les jets de l'item qui sont pas trop mal. Hein. Là, il y a presque rien à remonter en fait. Les dopous. Ah, moins 60, ça pique. Hein. Il reste 16 depuis. 16 depuis, c'est pas beaucoup. 16 depuis. On peut essayer de choper 2 en crit sur une rune qui pèse 2. On va faire ça. Ou alors faire 2 tentats, un tel. On va plutôt partir là-dessus, des fois qu'on a un crit, ok, moins 2. Voilà, pour le coup, maintenant, on a 4 de puits en rab qu'on va essayer de claquer sur l'intel. Ok, donc on a 2 tentats restaires. Une qui passe, est-ce qu'on a le PA? Bon, j'avais envie d'être joueur et de tenter la reste distance avant de mettre le PA, comme ça on va rigoler un petit coup. Des fois, on a un crit là-dessus, imaginez. Non! 94 depuis là-dessus, le G est pas fou. Hein. On va commencer par la Vita. Passe à moins 6. On enlève ça avec la petite Runini. Qui crit encore. Bon, c'est bien. La force. Allez, on va remonter aussi doucement. Ça crit, ça crit. Ça crit pas sur la Rafo, c'est dommage. Moins 9. Moins 6 pour l'intel. Ok. Il va falloir passer les deux poux à 22. Ça fait peur un petit peu. Ah la vache. Ça défonce l'item. Hein. Ça défonce depuis complètement. On a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 45 de puits flingués là-dessus.
Ça, c'est parce que j'avais pas eu le temps de rebaisser les deux poux suffisamment depuis la dernière tenta. Normalement, il faut les remettre à 19 max, mais. Bon, bah là, on est pas très bien. Hein. Hop. Moins 6 là-dessus. Moins 15 ici. Bah, on va pas aller loin. Hein. 7 restants. Donc, on a un crit sur la patte de poux. Quelqu'un aura une tenta, mais. Ah, bah voilà, il suffisait de demander. Allez, une tenta, Rester, qui passe pas. On va encore tenter la reste distance. Non, ça finira par crit un jour ce truc. Hein. Bon, bah on continue. 92 depuis là-dessus. Donc on va commencer par un Overvita, il n'y a pas trop le choix ici. À moins que je garde ça pour la fin et qu'on fasse une tenta en Overvita plutôt qu'en Exorez. Ce qui peut être marrant aussi. Ouais, non. Pas trop envie. Hop, moins 3. Si on peut avoir un moins 6 là avec la Runini, ce serait plutôt cool. Et non, bien sûr, c'est jamais au bon moment que ça tombe. Hein. Donc, ok, on a enlevé l'over ici. Les deux poux, il va falloir les monter à 19. Ok, là ça passe. Et on a un moins 9 ici. Et là, ça nous a pas pris trop de puits. Donc là, d'où l'intérêt d'être en dessous de 19 toujours. Hein. C'est pas trop mal. Chercher les récris qui critent, les soins. Qui passe. Et franchement, on est bien là. Hein. Moins 10, 70. Si les pas de poux sont pas trop capricieuses, on aurait une belle tenta. Allez, ça crit, ça passe. Oh, on est bien là. On est bien, on a 55. Bon, on a un de puits en rab, on va aller le claquer sur la force. Allez, des fois qu'on a une petite rune faux. Ça passe pas, on a donc 9 tentas restaires. Ah bah, j'ai un pote qui vient de passer un exo. Exo, c'est pour une commande sans soin, je crois, donc c'est pas trop mal. On est GG. En espérant que ça nous porte chance. Et nous, on avait dit 9, 9 runes restaires. Putain, mais... moi j'ai du mal ce soir. Hein. Hop. On va les passer une par une. Alors, déjà là, non. Ok, on a un premier pourcent. Deux. On a un crit. Donc on pourra en tenter une. On peut avoir une petite 3% qui passe. Bon, on n'aura pas de 4% déjà, mais 3% je prends. Hein. Allez, le PA là. Oh là là, c'est chiant. 45 depuis là-dessus. Bon, c'est pour la petite rune récrit là, un petit peu timide. Est-ce qu'elle vient? 4. Ouais, moins 8. Bon, ça va, ça passe. Ah, ça passe, ouais, il va falloir qu'on ait. En fait, ce serait bien qu'on ait un crit à la pas de poux. Oh putain, je tape du puits pour la de neutre alors que j'avais dit que j'en avais pas besoin. Quel débile. Par contre, deux poux, c'est plus compliqué. On a moins. Ouais, c'est mort. C'est complètement mort. Allez, pour le beau jeu, on va tester quand même de mettre la pas de poux. Mais j'y crois pas une seconde. Voilà, classique. 85 depuis là-dessus. On va y aller. On va aller chercher les 246 Vita. 296, pardon. Allez, c'est parti, 1, 2 et 3, il y en a 2 qui passent, enfin qui prennent le puits, donc moins 6 là-dessus. Force Intel, je touche pas, on va mettre la petite part écrit. Là je touche pas parce que comme c'est pour du stuff de poux, bon les 40 Intel sont bien pour le soin, mais je vais pas me chercher à faire un over pour 1 de force, sachant que je taperai jamais quoi que ce soit dans l'élémentaire avec le steamer. Hein. À part peut-être une fois tous les 36 ans. Le soin c'est peut-être le plus délicat, ouais avec quand même les pas de poux, ok ça passe, moins 10. Et là, il va nous falloir deux pas de poux, donc là vous voyez une fois de plus hein, pourquoi je laisse à 19 tout le temps, c'est pour aller chercher les 25, hein, c'est ce qu'on appelle congru à 25 en maths. Ok, on a donc deux succès crit, donc moins 15, et on a 54 depuis, bah on va peut-être enfin l'avoir cet item. Bon, je pourrais aller chercher l'over sagesse pour aller chercher les 30, c'est pas trop le but ici. C'est pas trop le but, donc on va mettre plutôt 9 repères, et bah, c'est parti. Hein. Allez, une, deux... Ok, on en a 3 qui passent. Est-ce qu'on peut aller chercher un petit 4% quelque part là? Ce serait plutôt sympa. Ok, bon, 3%. Il faut passer PA, PO quand même. Hein. Donc on va plutôt passer le PA en priorité. Comme ça, si des fois ça casse, bah, je repars sur le FM en cherchant le plus PA. Ok, le PA est là. Est-ce qu'on a le PO? Ce serait quand même bien qu'on puisse passer à la suite. J'ai encore les bottes à faire derrière. Et le PO n'est pas passé.
82 depuis là-dessus. Franchement, là on a exactement. Ça fait un moment là qu'on attend. Ça fait 45 minutes qu'on attend le PPA, un truc comme ça. On va pouvoir mettre tout de suite la part écrit. Moins 18. Bon, ça pique un peu, mais ça passe. Les deux poux. On a directement tout qui est bon sur l'item. Et ça, c'est exactement ce qu'on voulait. Hein. Hop, voilà, donc ça c'est la raison pour laquelle je laissais les deux poux à 19. Donc 34 depuis, est-ce qu'on en avait un petit peu d'avant? Je vois un moins 2 ici. Là on avait 5. On avait. Ouais, on a quoi? On a 1 ici. Ah, il y a peut-être moyen, si je commence à compter depuis là. Donc j'ai 34, là j'ai 1. Là j'ai plus 3, donc j'ai 4. Et là j'ai moins 2. Donc normalement j'ai 6 tentats. On va dire que je me suis pas planté. On va tenter 6 tentats. Hop. Allez, normalement j'avais 2 de plus d'avant. J'ai fait un calcul très rapide ici. J'espère que je me suis pas vautré. On va vite le voir. Allez, une. Effectivement, il y avait de quoi faire les tentats. Bon par contre, 1%, on va pas aller très loin. Et le PA qui passe pas. 96,8 depuis là-dessus. On va devoir commencer par la Vita. Je vais te voir over hein, là, je pense. Ça m'embête un poil. Mais c'est un peu dégueulasse le 292 là. Donc moins 6. Est-ce que j'y vais avec une petite récré? Non, c'est pas forcément très malin. Ça va m'embêter pour la suite. On va y aller à l'INI. Ok, bon, c'est correct. Ensuite la force qui crit, que je vais laisser comme ça pour le moment. On va mettre la petite part écrit qui nous fait 1 moins 10. La force je vais la laisser comme ça et puis il n'y a plus que les deux poux et on peut aller sur l'exorèse. C'est parti. Ok là ça passe, vous voyez pourquoi je reste en dessous de 19. Moins 10. Allez, les pas de poux. Ok, bon, on a le succès note, on n'a pas eu de crit, mais au moins c'est passé, ça a pas trop défoncé l'item. On a 40,8 depuis, c'est un peu embêtant ça. Hein. Je serais bien que je puisse choper 2 depuis éventuellement. On va tenter un crit à la raie neutre. Si on peut avoir un crit là-dessus, on gagne une tenta. Je pense pas que j'avais du puits d'avant, je vais regarder quand même un petit peu rapidos. J'ai commencé à compter ici. Est-ce que j'en avais avant? Là on a moins 4. On a plus 4 ici. Ouais, c'est très peu probable. Hein. Donc on va tenter le crit là-dessus. Est-ce qu'on l'a? On ne l'a pas. Donc on a 38. Donc là j'ai 2 de puits que je peux flinguer. Je vais faire 2 tentats à force. Ah bah. Eh, comme quoi, une fois tous les 3 ans, il fallait bien que ça passe un jour. Donc j'ai eu un plus 1 force, vous voyez, toujours ne jamais négliger les petits trucs là, ça avait très très peu de chances de passer le plus 1 à 38. Mais à force de tenter, il fallait bien que ça passe un jour. Donc j'ai 6 tentats, je suis content là, oh, ça vous fait un petit cas théorique de cours de FM en même temps. 6 tentats là-dessus, je vérifie que j'ai rien oublié, je crois qu'on est bon. Allez, ok, 1, 2%, est-ce qu'on a le 3% qui part? On n'a pas de 3%, bon la bonne nouvelle c'est que je me suis pas avionné dans le comptage de mon puits. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA, est-ce qu'on a le PO? C'est mérité, ce serait bien. Oh là là. 70 de puits là-dessus, on est parti pour un petit over Vita, hop. Ok. Moins 27, bon bah c'est mort, hein. C'est bien, hop. Allez, on va quand même test. On a la Vita perf, c'est déjà ça. Les récris, ça passe, moins 6. Et la pas de poux. Ouais, bon, allez, il y a peut-être un petit espoir, mais je suis quand même un peu. Non, il y a une tenta qui est pas dégueu. Mais je suis un peu deg d'avoir défoncé autant de puits sur la vie. Bref, ça me laisse 37. On a une tenta faux, des fois qu'on est à 40. Ah bah, voilà. Donc j'ai plutôt pas mal. Bon, la sagesse pourrait être un petit peu mieux, mais on va partir là-dessus. Et donc 6 tentats restèrent. C'est parti. Une qui passe. 2%. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Pas de PA.
91 depuis, donc on a une Vita là qui est bien. J'ai passé une rune prospection, j'avais pas vu que le pas était tombé une fois de plus. Et heureusement, ça a crit, ça m'aurait embêté de perdre du puits là-dessus. Les deux pouces sont à 23, là ça va être un peu embêtant. Il va falloir passer les 24, ça va me prendre beaucoup de puits, c'est sûr. Donc là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, vous voyez, vous avez l'illustration parfaite de pourquoi il faut laisser les deux pouces à 19. 99 depuis là-dessus, on va commencer par un petit over Vita. Hop! Moins 12, bon ça prend un petit peu de puits, mais au moins on a un truc propre. Je vais y aller à la runini pour enlever l'over, parce que j'ai envie d'aller à la par écrit pour remonter les récrits. Ce sera plus simple. Hop! Bon, je gagne 1-0-1 depuis, là on s'en fout un peu. Allez, la par écrit qui crit, c'est nickel. Et ben là on va avoir une sacrée tantale, hein. L'appât de pou qui fait un moins 13. Et moins 45. Quel dommage, on avait un truc vraiment chouette. Du coup, 29. Est-ce qu'on en avait un petit peu d'avant du puits? Là, je pense pas pour le coup. Hein, j'avais un petit peu remonté les lignes tout à l'heure. On était là. Ouais, à mon avis, il n'y en a pas plus que ça. Donc, on va tenter un crit sur une rune. Bon, Ini, hein. Ini, c'est pas mal pour essayer de crit. Ok, ça passe pas. Moins 1, on peut tenter une crit maintenant sur une rune qui pèse 2. Et on l'a! Ah bah voilà! Magnifique cas théorique. Donc là, vous voyez, j'ai perdu 1. Mais j'ai plus 2, donc j'ai 30. Donc là, j'ai 5 tentas. Donc c'est pas mal. C'est bien, je vous apprends des choses en même temps comme ça. Là, vous voyez, donc j'étais à 1 d'avoir un trans. Donc j'ai tenté une rune qui pèse 1, je perds 1. Donc là, j'ai tenté une rune qui pèse 2, et là, je l'ai eu. Donc 5 tentas restèrent. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous voyez, j'avais bien le puits pour le faire. Et on est parti pour la tenta double succès. Et ça passe pas. 94 depuis là-dessus. On va arriver sur un 99 vitas, ce qui est plutôt cool. Moins. Pourquoi je fais moins 9? Non, 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 moins 3. Hop, 91. Et là, eh bien, on est sur quelque chose de correct, hein. Les deux poux qui passent sans défoncer le puits. Oh, on a une très belle tentative qui arrive là. On a 76 de puits, j'en ai 4 en rab. J'aimerais bien quand même peut-être mettre les deux neutres du coup. Je vais les mettre parce que si on conclut là-dessus, bah, autant avoir un jet avec les deux neutres. Ça passe. Moins 5, donc on a 71. J'aimerais bien avoir un 1 de puits restant peut-être. Alors je vais regarder ce que j'avais avant. Ok, là j'ai peur. Ah, le moins 2 de vita, 3 de force, moins reliquat. En général, ça veut dire qu'il n'y a plus de puits ça. Hein. C'est un petit peu triste. Ouais, c'est très probable que je vais retomber à 0 sous la ligne ici. Donc je vais tenter un crit à la rune innée. Enfin, innée, pardon. On n'a pas de crit. Allez, on peut encore tenter. Toujours pas de crit, on peut encore tenter. Toujours, ah, décidément. Ok, donc là c'est mort. Là pour le coup c'est vraiment mort, du coup je peux même pas retenter une réneute parce que je vais défoncer l'innée. Tant pis, donc on a 11 tentas. Je dis ça, mais. Bah en soi je peux tenter de remonter la force avec ça. Un tel déjà. Là j'ai fait un moins 4. Là je suis à 67. Je peux tenter ça. Ça passe pas, dommage. Là j'ai encore un depuis. Donc je peux mettre sur une rune innée. Ok, donc là on est à 66 et là on a 11 tentas tout pile. Hop, allez, 11 tentas, ça peut donner quelque chose de bien quand même. Hein. C'est parti. Allez, 2, 3. Ce sera donc 3. Est-ce qu'on peut terminer le FM là-dessus? Ce serait chouette. Voilà, oh là là. Donc juste en voulant mettre le... Enfin, après avoir remis le PA, je mets une passo et je refais tomber le PA. Donc là, il y a peut-être moyen de faire un truc sympa. Ça me fait 71 de puits. On va chercher le G-Perf en force. Heureusement, j'ai les deux poux qui sont restés à 25. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc moins 3 ici. Et puis ça va aller assez vite à remonter. Hein. Hop, moins 2. 6. Les deux feux. Et il va y avoir les soins à remonter. Ça va être un petit peu délicat. J'ai deux options. Soit j'y vais à l'assaut, soit j'y vais à la passo en espérant un crit. Et auquel cas, ça me laissera une belle tentative. Je vais tenter le crit. Allez, on va être un petit peu ambitieux. Ça crit pas. Bon, ça passe.
Bon, 30, si j'avais vu un échec critique, j'étais mort là, clairement, mais au moins c'est passé. C'était ambitieux, hein. J'aurais eu le crit, ça me faisait 9 tentats reste derrière, c'était cool. Donc là, du coup, j'ai un de plus en rab, donc on va le mettre une fois de plus sur l'intel. Ça passe pas, et donc 4 tentatives. 2, 3 et 4. Ok, on a 1%. Et ça repasse toujours pas, sans surprise. 90 depuis là-dessus. Bon, la vita, on va la laisser comme ça, on n'est pas sûr de pouvoir avoir mieux. On va monter les ricris à 20. Moins 2. On va prendre les deux neutres hein, cette fois-ci. Encore une fois, comme on est tout proche du G-perf, hein, c'est des fois que je m'en sers un jour sur un perso qui tape neutre, même si j'étais parti dans l'optique de faire 100 dos neutres, là comme on peut les avoir, c'est déjà pas mal monté, on les maximise. La rune là, ça va peut-être être la plus dure à passer. Ok, nickel. Moins 5, et maintenant bah, on a 2 pas de pou, c'est parfait. Ça passe, ça crit pas, mais ça passe, c'est acceptable. Ça nous fait 53 de puits. J'aurais aimé avoir un puits restant d'avant, mais je crois que je n'en avais pas. Hein. Ah, attendez, j'étais sur de la rune force là. J'ai eu plus 3. Là, j'ai eu plus 7, donc 10. Ah, normalement, je vais partir du principe que je peux faire 9 tentages. De toute façon, c'est même 10. Bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, mais a priori, j'ai 54. Je vais partir sur 9 tentats, on verra bien. On verra bien ce qu'on a. Allez. Je vérifie que j'ai rien oublié, des fois ça m'arrive, mais. Allez, hop. Ok, on a eu un crit. On va peut-être aller chercher les 3% là. Allez, je vais partir du principe que j'en ai encore une en espérant que ça foire pas le truc. Ok, effectivement, on était bon. Bon, j'ai que 2%, c'est toujours ça. Le PA est là. Allez, le PO. Bon, qu'on termine ce FM, même si j'ai eu plein de G à 3%. Ah, mais c'est incroyable, hein. 46 sur le plus PO peu après avoir remonté le G. Donc là, normalement, on a un truc qui est correct et il y a une chance que ça se termine bien. Il y a les 25 dopu. Donc, c'est parti. Allez, un crit ici. Oh, dommage. On est à moins 15. On est à moins 25 pour les dommages, c'est triste. Le petit soin là, qui pourrait, s'il avait pu crit, ça aurait été cool. Moins 20, et eh bah ça nous laisse du coup à poil. Dommage, hein, ça partait plutôt bien. Bon, j'ai un de puits restant, on va mettre la petite ruinée. Des fois que ça passe, ok, ça passe pas, on est à 0. Et maintenant, on va pouvoir tenter éventuellement un crit sur reste distance. Il peut toujours être bénef, hein, si on peut avoir un succès là-dessus. Ça passe pas. 91 de puits là-dessus. Bon, il va falloir faire un over vita. Moins 15, bon ça va, ça aurait pu être pire, mais c'est déjà un petit peu triste. Les récris sont maximisés, on va venir enlever l'over, on va passer l'intel à 39, moins 1. Les deux pouces sont à 20, froid, ça va être infernal ça, bon bah à mon avis, on va crever là-dessus. Moins 6, allez, on a 69 depuis, il va nous falloir monter à 22. 2, 3, ça va, ça a été gentil. Ça a été cool. 54, si je pouvais avoir un crit là-dessus, ça nous ferait 9 tentats. Hein. Bon, j'ai pas de crit, mais ça passe. On a 39, il me faudrait un crit avec une rune qui pèse 3, ou alors je peux essayer de faire un over intel. Pour aller chercher les 40 d'intel, ce qui serait bien aussi. Je vais tenter plutôt 3 fois la rune innée, je pense. Ah, j'hésite. Allez, non, on va être un peu joueur, on va mettre une... Non, pas faux, il y en a sur l'item. Il me faudrait une rune... Qui pèse 3, une pahage, c'est exactement ce qu'on veut. Voilà, comme ça, si j'ai un crit, je gagne une tenta. Ok, moins 3. Donc on a 36, et là on a 6 tenta res. Et j'avais dit 6. C'est parti. 2, 2%. LPA. Et il y a le PO. Bon, bah voilà, on s'en sort. Mais je suis deck, j'ai eu plein de G sympathiques à 3% qui me sont passés devant. Et je me retrouve avec un 2%, 28 sagesse. Un peu. Bon, c'est pas mal, hein, on va pas se plaindre, c'est quand même le G est soigné. Hein, voilà, il y a tout. Hein. On a moins 3 vita, moins 1 d'intel, moins 2 de sagesse, le reste est perf. Hein. Donc, déjà, par rapport à ce qu'on voit dans le commerce en HDV, on est déjà sur la meilleure que j'ai vue depuis très longtemps. Mais, parce que bon, j'en vois, hein, des 9 soins, 23 dopu, 24 dopu HDV, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, voilà. Ah bah, ça se vend apparemment. Là, au moins, on a un truc qui est jouable. Bon, j'aurais préféré les 3%, mais au moins, avec ça, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Voilà la bonne nouvelle. Bon, écoutez, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner.
Bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt. En fait, non, c'est pas fini, il me reste, j'ai eu un crit, il me reste une tenta, allez. Ça aurait été beau.